connaissez pas, mais je suis le nouveau directeur de l'école affecté dans le Grand Nord. Et je suis très heureux d'être dans votre village de Namaraso. Mais j'ai quand même des craintes. C'est la rentrée, c'est maintenant. Nous n'avons qu'une semaine pour l'ouverture des classes. Et je constate que vous ne venez pas nombreux. Vraiment, j'ai des craintes. On m'a surtout dit qu'ici, en cours d'année scolaire, les parents viennent retirer les enfants de l'école pour aller au champ. Non. C'est faux. Ils ont été toujours jaloux de notre village de Namaraso. Oui. Nous, on sait que nous, les gens de Namaraso, nous savons très bien que l'école, c'est une très bonne chose. Ah oui, comment? D'accord, on verra. Nous avons là des classes de 40 élèves, mais jusqu'à présent, nous n'avons que 6 élèves par classe. Les autres vont venir, M. Bon, très bien. Ce matin, nous allons passer à la deuxième partie de notre leçon, c'est-à-dire nous allons apprendre à compter d'abord de 1 jusqu'à 10 et ensuite de 10 à 11. Oh, Sokofali, tu me suis ici. Hein? Bon, répétez après moi. Vous êtes au tableau.
Ah, Manu. Pas gagné. Bon, chez votre maître là-bas. Mais vous prenez en classe, on va aller travailler. Moi, je ne suis pas là pour l'école. Comment? Toujours, il n'est pas à l'école. Ah, ça va? Tu m'as apporté quoi-même? T'es du miel, d'accord. C'est bon, hein? Là, c'est A. Accord. Accord. D'accord. Vous voulez passer d'où? Quand tu es pressé à parler avant moi, viens lire, parce que tu veux lire ça. Dépêche-toi. Ouais. Vas-y. Allez. Là, c'est. I. Là, c'est. U. Ici. O. Là. A. Où est la boîte, là? La petite boîte. Bon, dis comment tu bois l'eau, là, comme ça. Tata. Nata, tiens. Comment mettre ça à l'ombre? Vraiment, je suis fatigué. Hein. Nous, je suis petit, je suis parti chercher petit à l'école. Hein. Ah, ça, jamais. Maintenant que les enfants vont aller en sixième au collège, c'est maintenant que tu vas les amener pour venir au champ. Ils ne viendront pas ici. Hein. De toute façon, ce qui est certain, que même je vais chercher mes enfants, mon enfant, c'est le directeur. Tu m'attends? Va les chercher, tu fais comme tu veux. Sans tes enfants, non? D'accord. S'ils sont bons à rien, on va tous rester au village. Kouroumaïe, Kouroumaïe, Kouroumaïe. Bonjour, monsieur le directeur. Ah, monsieur Gazé Gagnon. Ah, asseyez-vous. Mmh. Mmh, nouvelle du soir. Il n'y a rien. Comme il y a eu beaucoup la pluie aujourd'hui, là, demain, je vais partir faire but au champ. Ah, c'est très bien, c'est la saison, ça. Quand il pleut comme ça, ça vous arrange. Ah, ça, il y a madame qui est là. Dima. Oui. Allez, vieux garde-caillon qui est venu nous voir sous la pluie, là. Oui, madame. Mmh. Il y a beaucoup la pluie là-bas. Ça vous arrange, non? Mmh. Quand il pleut comme ça, c'est bon. Voilà. Ouais, c'est pour le quoi je suis venu te voir. Comme deux enfants, ils vont faire de la butte demain. Comment deux enfants? Mes enfants, là, qui sont à l'école avec toi, là. Non, écoute, faut pas exagérer. Il y a deux mois, tu es venu me voir pour demander la permission pour deux enfants. Ouais, mais les deux, ils sont... Ils sont en train de faire coton là-bas. Ils suivent coton. Écoute, ces deux que tu es venu me demander là, je ne peux pas te les donner. Parce que là, ce sont mes meilleurs élèves. Regarde leurs notes. Des enfants qui travaillent bien comme ça, et bientôt, dans un mois, ils s'en vont à l'examen. Tu veux les retirer de l'école? Directeur, interdis-nous là. Oui, mais entre nous, à la rentrée là, qu'est-ce que tu m'avais dit? Si tu ne veux pas, demain, moi, je prends un enfant pour moi, aller au champ. Il n'ira pas. Il va partir. Comment? L'enfant, c'est pour moi-même. Mais écoute, Dieu. Dieu, est-ce que vous pensez un peu à l'effort que l'État fait pour vous construire des écoles dans les villages? L'argent que l'État met là-dedans, nous qui enseignons vos enfants, l'argent que l'État nous paie, et nous aussi, le sacrifice que nous faisons en venant vers vous. Il me reste dans la classe à 12 élèves. Une classe qui doit avoir en principe 45 élèves. Je n'ai que 12. 12 élèves. Moi, je m'en fous. Demain, je prends mon enfant, on partit au champ faire but, c'est fini. Comment faire? Bon, j'en fous la mort. Comment? Tu vois ça? Bon, ça va? 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 Ça va?
Bon. Tu peux envoyer ça là-bas. On a sauvé. On va travailler un peu et puis venir là-bas. Bon, mot, attendez, quel est ça? Attendez, quel est vous dit? Vous êtes prêts? Le titre, Kokumbo à la chasse. Kokumbo à la chasse. Kokumbo et ses chiens avançaient dans les broussailles. Kokumbo et ses chiens avançaient dans les broussailles. Point. Oui, entrez, monsieur Amidou. Allô, Thomas. C'est où? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Amidou? Ça y est, on a pour nous. Mais on a dépensé nous, tu as qu'à nous, oui. Mais non, c'est pas possible. Vous voyez qu'on est en train de travailler. Si on n'a pas planté, on a fait 4 minutes. Écoute-moi, écoute-moi, Amidou. Mais Amidou, écoute. Les enfants s'en vont à l'examen bientôt. Nous sommes en dictée de contrôle. Quand même, ne faites pas ça. Tu es hyper pécanique à ma cause, ça va. Quitte-toi. Bissimoula. Bon, écoute. Oui, je sais. Ce sont tes enfants. Mais pourquoi les as-tu inscrits à l'école alors? C'est pas bon ce que vous faites ici dans le Nord. Hier, il y a l'autre qui est venu prendre ses enfants. Avant-hier, il y avait un autre. Mais en fin de compte, ma classe va être vide là. Ah non, ne faites pas ça. Hé, il t'a quoi la tête de ta tronche là? Mais il va avoir mangé. Hier, il y avait de la pluie. Hein? Chien. Allô, patron. Au revoir, mes enfants. Effectuez les opérations qui sont au tableau en silence. Hein? Compris? C'est vous? Alors, bonjour, directeur. Bonjour, monsieur Bakayoko. Ça va, mais. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je viens prendre mes 5 enfants. Comment? Hier, tu n'as pas vu mon voisin? Non. Écoutez, monsieur Bakayoko, vous êtes du bureau des parents d'élèves. Vous aussi, vous ne pouvez pas faire ça. Ah, mais c'est moi aussi, je ne vais pas manger. Directeur. Hier, il y a eu la pluie. Oui. La terre est bien comme ça. Là. Bon, d'accord. Vous êtes venu pour prendre combien? Ah, mes 5 enfants. Tous les 5? Bakayoko, c'est vous. Bakayoko. Konaté. Siata. Et Drissa, avec vous. Drissa, il y a eu. Ah, Drissa. Allez, il y a. Maître. Voilà, frère. Anja, bon, directeur, au revoir. Hein. Oui. Allez, les enfants, allons-y. Allez, au revoir, les enfants. Au revoir. Nous sommes déjà habitués à ça. Alors, les enfants, vous n'êtes que 12 maintenant. Je ne compte que sur vous. Travaillez bien. Faites en sorte que vous sortiez tous les 12. Vous avez compris? Travaillez consciencieusement. Ah, monsieur l'inspecteur. C'est vous? Bonjour, c'est vous. Assis. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Alors, votre place est presque vide. Qu'est-ce que vous avez fait de vos élèves? Ben, ils sont dans les champs. Dans les champs? Oui, avec leurs parents. Les champs? Avec les parents? Oui, monsieur l'inspecteur. Ah ben, il ne faut pas attendre que ce soit jeudi ou samedi pour faire travailler les enfants. Ah, monsieur l'inspecteur, ce n'est pas comme ça ici dans le Nord. Hein. Les parents viennent dans les classes chercher les enfants pour aller au champ. Ah bon? Pour aller cultiver la terre. Ah, alors c'est grave ça. Mais je ne comprends pas. Alors, ils sont en train d'examiner. Oui, monsieur l'inspecteur. Et ça, c'est les enfants de... C'est les enfants des fonctionnaires de la sous-préfecture, je veux dire des gendarmes et... Des policiers, des gendarmes et oui. Des fonctionnaires, quoi. C'est ça, monsieur l'inspecteur. Sinon, les enfants des villageois, il n'y en a plus.
Pourtant, cette classe avait un effectif de 40 élèves. 40 élèves. Sur 40 élèves, 12. 12. Vous vous rendez compte? Un camarade. Chers amis paysans, l'école, c'est une très bonne chose. Votre enfant, pour vous être utile, bien instruit, l'agriculture se modernise. Alors, quand tu sauras lire et écrire, il peut travailler sur les machines, demain, c'est les machines agricoles. Il vous aidera davantage. Hey, Sougou, elle va bien, mémé. Allez, voilà. Parle. Baba! Baba! Non! Gade Kanyo, tu es venu au village aujourd'hui. Oh mon frère. Braina, tous les enfants sont partis à l'école. Gade Kanyo, je savais pas que tu allais venir. Tiens, vas-y. Bon. Attends. Gazé Cagnon. J'ai coupé mon radio. Tiens. Bonne arrivée. Merci. Ça va? Oui, ça va, mon frère. Ah. C'est la petite Awa. Ouais, ouais, ça, ouais. Ça, c'est la quatrième fille de ma sixième femme. Tu sais, on n'est pas encore fatigué, hein? Alors, nouvelle. Bien. Comme ça fait longtemps, je suis venu voir toi un peu. Plus de 10 ans. C'est vrai. Qu'est-ce que tu gagnes? Il faut venir au village de temps en temps, on tient des réunions. Tu sais, moi, maintenant, là, je suis devenu président de GMC. Hein? GMC. Il faut venir. Mmh. Et puis, regarde ta maison là. Ça commence à tomber. Hein? Tu n'es même plus au courant des affaires du village. Il faut venir. Et tes enfants? Mes enfants? Mmh. Mon frère, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Mes enfants, tout le monde, rien, je les ai envoyés au champ là pour faire cultivateur comme moi, mais ça ne va pas. Le grand, lui, il est parti jusqu'à bien faire mécanicien. Là aussi, on dit que ça ne marche pas, peut-être il va voler, mais bon, je sais pas. Tu les avais retirés de l'école? Je suis parti les retirer de l'école pour qu'ils viennent m'aider à faire des buts et puis les choses. Tu as eu tort. Tu vois cette maison-là? Mm-hmm. Ça, c'est Coco Bellou qui l'a construite, pour moi. Et regarde celle-là. Ça, c'est Soko Falua qui l'a fait. Maintenant, je suis très bien. Tu as compris, non? Tu vois, j'espère que tes deux derniers enfants-là, maintenant, tu vas les laisser à l'école, hein, ceux qui sont à bas âge-là. Ah, Jacques, je vais le faire. Hein. Ah! Ah! Naminata! Naminata, ouais. Oh, elle est sage-femme. Elle est même venue en congé. Eh, sage-femme. Naminata! Naminata! Papa! Ah, viens voir. Et regarde qui est là. Regarde, hey. Ma fille. Regarde, elle a grandi. Tu vois comment elle a grandi. Tu vois, le génie agronome. Il m'a tellement aidé. Il m'a fait des champs de coton, comme ça. Il m'a fait des vergers. Même, j'ai même acheté une bâche à papa qui arrive demain. Ah oui, hey, tu te rends compte? Pour transporter mon coton et tout le reste. Manto. Hein? Manto, comme moi. Bon, vas-y, gagnant. Faut pas te décourager. La vie là, c'est comme ça. Non, mais je suis vieux maintenant. Ah, ben ça va aller. Ça va aller. L'école là, ça finit pas. Attends, toi, Flédé. Regardez bon l'école là.